gens de l'Internet, comment allez-vous? À ce qui paraît, nous avons un petit X-rayeur ici présent. Notre ami Gourègle l'aurait trouvé, donc on va examiner cette. Malheureusement, les amis, je pense qu'on n'a pas besoin de plus de preuves. Ils viennent de trouver l'émeraude assez facilement, comme on peut témoigner. Donc, attendez, on va essayer de regarder ses statistiques. Donc, 55 minerais, ok. Est-ce qu'on peut regarder son inventaire? Invci, X-Pull Valentin. Sur sa pioche, il a trouvé 43 diamants pour 500 stones. On va pas se le cacher, les amis, c'est quand même très peu. Là, il était prendre quelque chose, j'ai même pas eu le temps de voir. Et là, bizarrement, il tombe sur du diamant, genre internet. Assez particulier, cette personne. Regardez l'émeraude qui est juste là. Il va s'enligner normalement avec l'émeraude, à moins qu'il prenne les... Ouh, attendez, il y a de la... Tu sais, il va pouvoir la trouver, là, l'émeraude, là, parce que, tu sais, il y a de la redstone normale. Donc, il va la miner, il va prendre l'émeraude. Voilà, il va prendre les deux bouts de redstone. Mais là, c'est la question que je me demande, c'est est-ce qu'il va aller vers là, ou vers là, parce qu'il veut de l'émeraude, parce que, malheureusement, on est... En fait, plutôt heureusement, on est dans un biome... Un biome où est-ce qu'il y a les émeraudes, quoi, en gros. Donc, on est dans le biome montagne. Comme vous avez pu témoigner, regardez, montagne. On est dans un... What? Extreme Hills, c'est ce que je voulais vous montrer. Puis là, comme on peut témoigner, il va se rendre directement sur l'émeraude qui est là, je pense, un peu plus haut. Il va aller prendre celle qui est un peu plus haut, puis il va redescendre voir celle-là après, à moins qu'il continue juste tout droit. Ouais, il y a juste ça. Il continue juste tout droit. Il se tourne directement vers l'émeraude. Il prend ça, il va monter juste là. Je suis pas mal sûr qu'il va monter. Aussitôt qu'il prend celui-là, les amis, j'aurai ma preuve suffisante, à moins qu'il s'en aille vers le diamant ou quelque chose. Quelque chose d'autre un peu plus loin. Mais je pense totalement qu'il va aller chercher celle-là. Il s'en bat les couilles en fait. Il... Je pense qu'il essaie même pas de le cacher là, tu sais. Continue. Là. Bizarrement, il a pas remarqué qu'il y avait de l'émeraude au-dessus de lui. Juste ici. C'est quand même assez spécial. Là, il s'en va par là. Il a vu du diamant, j'imagine. On va avancer. On s'en fout, on sait qu'il est extrait, c'est juste pour vous... J'essaie de vous trouver une vraie preuve. Ça, les blocs, là, je pense que c'est les blocs de Silverfish, je suis pas sûr. Il a pété les trucs. Tu me donnes une bonne raison et je te bannis pas. Alors, on attend sa... son excuse. Il va-tu nous en trouver une? Je sais pas. Je vous reprends tout de suite. Ok, so, il m'a dit en message privé, les amis, qu'il pouvait venir sur TeamSpeak, mais il pourrait pas utiliser le micro. Donc, il s'en vient, puis on se retrouve sur TeamSpeak quand il est là. Donc, X-Pull Valentin, parle dans le chat TeamSpeak ou dans le chat du jeu, ça me dérange pas. Les un des deux, tu choisis quoi? En fait, il y a une raison pourquoi je t'ai fait venir sur TeamSpeak. Tu sais pourquoi ou pas? Hop, je le défrise, donc tape-le pas. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir sur... sur TeamSpeak? Vous me dites qu'est-ce qu'il écrit quand il parle dans TeamSpeak, hein? Mais il parle pas dans TeamSpeak, je crois. Il écrit pas. Il a pas écrit? Mais il parle dans message privé, je crois. Ah, ok. Bon, bah, attendez. Ok, donc, excuse-moi, c'était de fausse alerte. Donc, je viens où? Tu sais pourquoi t'es sur le TeamSpeak, en fait? T'es conscient que... Est-ce que tu sais la raison pourquoi t'es sur le TeamSpeak? En fait, c'est peut-être que tu vas nous prendre pour des cons, mais en fait, on est là pour te passer modérateur du serveur, en fait. Donc, j'aimerais que tu parles dans le chat pour apprécier ton nouveau grade, en fait. Donc, dis genre coucou. Comme ça, les gens vont être contents, ils vont voir que t'es modérateur, etc. Donc, ouais, c'était une petite blague, en fait. On sait très bien que tu n'existerais pas. C'était juste une blague, bien sûr. Et on voulait t'accueillir dans le staff, en fait. Donc, comment tu le prends? Pourquoi il parle pas dans le chat? Je sais pas. Il parle. Non, mais reparle dans le chat en jeu, s'il vous plaît. Mets un point, parce que j'ai besoin de savoir si la commande a marché. Ouais, voilà. Mets un point dans le chat pour que les gens voient que t'es un modérateur fidèle. Hein. Ouais, chat Minecraft, s'il te plaît. Mais genre, bonjour les abonnés.
Tu dois écrire dans le chat Minecraft, gros. Bon, bah, tant mieux pour lui, au pire. Écris dans le chat Minecraft. Putain! Écris dans le chat Minecraft, sinon je te barre. Voilà. Tu vois, t'es un modérateur fidèle. Et tout, mais bon. Je vais devoir te take out live, mon pote, malheureusement. T'as pas été... T'as été un vilain garçon. Tu as X-ray sur mon serveur, donc malheureusement. Malgré que t'es un modérateur, je vais devoir te bannir pour 60 jours pour X-raying. Et modérateur pas très Charlie. Sur ce, mon ami, bonne fin de journée. Amuse-toi bien. Ok, les gars, on se reprend. Vite fait, juste pour un petit cheater. À ce qui paraît, ce gars-là, gauche, il utilise un petit cheat. Donc, je sais pas si c'est vrai. Mais à ce qui paraît, il utiliserait un mode de triche qui s'appelle le Fly. Il a été reporté pour Fly. Et là, on peut voir qu'il tape à travers la porte. Pas très très Charlie tout ça. On va essayer de voir encore peut-être pour le pogner en trait Fly. Moi, je l'ai déjà vu Fly, les gars. Moi, je voudrais juste le voir Fly pour la vidéo. Aucun... Oh! Aucun KB. Oh! Ok! 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 On a deux cheaters en fait. Donc on va freeze lui en premier. Et on va freeze lui en deuxième. Donc... salut les copains! Ça va les cheats? Au calme? Pas très mature tout ça. Bonjour YouTube. Donc on va faire un slash kill gauche. Boom. Slash kill dash. Boom. On va faire un slash ban dash. Cheating. Ta gueule, dis-le, je te jure, je vais te bannir toi. Tu vas être le prochain banni. Hein. It's just me, myself, and I. So right until I die. Je cheat pas, bordel. Pas mature, ça, Gizos. Cheating, et voilà. Oh, shit. Woo-hoo. It's just me, myself, and I. So right until I. Ok, bon. So, voilà. On a éliminé deux cheaters, les amis. On se retrouve pour l'autre séquence, à tout de suite. Bon, les amis, on va pousser cette personne-là en bas. c'est pas vrai, je la retape en haut quand même. Je suis pas un fils de pute, hein. Ben. Mais tabarnak! Ben tabarnak! Es-tu sérieux? Esti! Oh my god! Il est-tu t'attardé cet enfant-là? Bref, on se reprend après, les gars. Ok, c'est quoi ton pseudo, toi? C'est Gooch. Que toi, t'es Gooch, t'es le gars qui était dans la paix, là, que j'ai tapé et qu'il est remonté en flingue? Gros du monde! Ah, très 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 fun et HD, tout ça. On va te brush cheat parce que je veux passer dans tes admin séries. Ah ok, et tu crois que c'est une bonne façon de passer dans mes admin séries ça? Bah oui, comme ça je suis sur YouTube. Et se passe ouais, quoi? Ouais mais en fait ça nique ta réputation, tu savais. Et quoi? Ah, mais moi je veux te faire gagner de la monnaie tu vois. Ah bah c'est gentil, merci. Donc qu'est-ce que t'aimerais dire à tes abonnés fidèles? Je veux commencer la règle d'abord là. Moi j'aimerais dire quelque chose. Faites-moi des bannes. C'est quoi que t'aimerais dire l'autre, est-ce que tu dis quelque chose, Calis, reste pas là à rien dire, tabarnak? Calis? Que je voudrais me faire des bannes déjà! Elle me dit qu'elle me fait danser au tabarnak, l'eau! pas très très mature tout ça, les amis. Ok, les gars, je pense pas qu'ils réalisent qu'il y a quelqu'un sur son cheval. Genre, je suis en invisible, fait que là, le cheval, il se contrôle tout seul. What the fuck? On peut-tu passer là? Non. Il doit se dire, Chris, le cheval, il panique, man. Il panique, je te jure. Arrête le modo sur mon cheval, vous lui faites mal, il m'a dit. Ok, si ton cheval te parle, en fait, t'as des problèmes mentaux, tabarnak. Ok, j'ai dévoilé mon identité. Oh, il prend un screen maintenant! LOL! Il prend un screen! Maman violente! Oh là 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 là! Bon, j'espère que je t'ai fait rigoler. À tout de suite. Oh, mesdames et messieurs, nous sommes dans un combat très intense entre cette faction. En fait, il se tient à travers des trous de fucking vie. T'es-tu sérieux, ça? Là? C'est-tu une crise de joke? Non, c'est pas une joke. Ah ben, calice!
Ils ont-tu pas de vie, hein? Boum. Tabarnak, c'est quoi ça, hosti? Le gros, j'ai trouvé une farm à fucking moutons. Il y a genre 1 million de fucking moutons, hosti. Le gros, je m'en crisse. Il y a genre 1 million de moutons, no joke. Hosti, c'est juste ça, des moutons. Comme des émeraudes, sûrement. Hosti, ils ont juste des moutons. Comment on sort de cet esti d'enclos? En plus, on peut même pas sortir de leur esti d'enclos. Y'a pas de place pour sortir, esti. Ah oui, ici. Tabarnak. Oh, j'ai trouvé des chevals. Oh, le gros, j'ai trouvé des chevals. Oh yes, oh yes. Attends, check ça. Oh shit, j'suis coincé. It's just me, myself, and I, solo bright until I die. Ils nous ont pas encore remarqué. On va passer devant lui, peut-être qu'il va nous remarquer. User joined your channel. Il vient de nous remarquer. Il vient de nous remarquer, genre, l'internet. Il se dit, genre, qu'est-ce qui se passe là? Il doit se dire que le cheval il panique un peu, hein. Quand même. Il essaie de nous accrocher. Il essaie de sauver son compagnon. Attends, j'ai pris. Je vais prendre celui en or maintenant. What the fuck? Hey, il doit vraiment se demander qu'est-ce qui se passe, hein. J'ai un peu niqué sa base aussi d'un côté, là. Mais bon, ça faut pas le dire. On s'en va, ciao! J'aimerais quand même donner une mention spéciale, les amis, pour la fin de cet épisode-là, à cette faction-là. Je sais pas c'est quoi le nom de la faction, mais Chris, qui ont dû se faire chier à faire des vides de couleurs, man. Holy fuck, man. Checkez ça. Ils ont mis tout ça de vides de couleurs, puis je pense qu'ils ont mis juste des tables de craft tout le long de leur crise de base. Il faut-tu pas avoir de vie pour faire ça, hein? Bien entendu, les amis. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a fait plaisir. Un peu de troll, un peu de cheater qu'on a banni, en fait. Et puis j'espère que les épisodes comme ça vous font plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de partager avec vos amis. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur iFactions. À bientôt. Oh!